Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto spécial nettoyage de réfrigérateur. Alors, avec le Papodil bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques gestes rapides pour vous permettre de désinfecter, assainir, désodoriser l'intérieur de votre frigo en quelques minutes. Avant toute chose, éteignez et videz votre frigo. Puis, munissez-vous du gant pour le nettoyage et le ramassage des saletés à l'intérieur de votre frigo et du pistolet uniquement, sans aucun accessoire. Chose à faire va être de vaporiser l'intérieur du frigo, la porte et les côtés avec la vapeur sèche de Vapodil. Je purge bien. Accessoires comme cette étagère par exemple, vous pouvez bien sûr la nettoyer, la désinfecter en la retirant de son support, en vaporisant la vapeur dessus et bien sûr en essuyant avec le gant pour retirer tous les résidus collés, les saletés, etc. Et ensuite, vous pourrez la remettre en place. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire plutôt quand vous faites le grand nettoyage de votre frigo. En entretien, vous allez pouvoir simplement passer un coup de vapeur comme je l'ai fait précédemment et nettoyer simplement au gant. Concernant les endroits plus inaccessibles, vous allez pouvoir bien sûr utiliser le sprayer qui va vous permettre d'accéder à ces endroits plus compliqués. Comme par exemple ici, où vous allez pouvoir, si vous avez de la nourriture de coincée ou des saletés, envoyer votre vapeur directement sur la partie pour déloger en fait les saletés coincées. Le sprayer peut également vous être utile sur les joints pour déloger la saleté à l'intérieur, la ramollir pour que vous puissiez effectivement bien retirer tous les résidus à l'intérieur de votre joint sans aucune difficulté. À la partie vitrage de votre frigo, et bien vous allez pouvoir utiliser la cristal en essuyant chacune des vitres, toutes les parties en inox